Elle une rêve du Swimming London des années 1960, elle autre y a vécu. Elles vont se rencontrer dans Last Night in Soho des Edgar Wright. Thomasin McKenzie, vu dans Leave No Trace et Jojo Rabbit et Anya Taylor-Joy, revelation de la série Le Jeu de la Dame, livre une impressionnante performance en miroir dans ce conte horrifique. La première, apprentie styliste Bibi Rodney au tube des 60s, se retrouve plongée à cette époque dès qu'elle s'endort. Et la voilà qui partage l'expérience des une jeune danseuse, mais son voyage dans le temps tourne vite au cauchemar. Le film confronte l'image fantasmique qu'on peut avoir des une époque à la réalité, explique Edgar Wright à 20 minutes. C'est une histoire de femme. Pour la raconter, le réalisateur de Baby Driver et des Sparks Brothers a recueilli des témoignages féminins. Ses productrices et la co-scénariste Christy Wilson Sternell ont épaulé tout comme ces jeunes comédiennes. Il est aussi assure la collaboration de stars qui ont vécu cette époque comme Diana Riggs, de Sodi en 2020, et Akilas Night in Soho et Dodi, et Rita Tushingham. Il a été capital d'être le plus exact possible non seulement dans la reconstitution des années 1960 mais aussi pour décrire les expériences subies par les heroines, raconte-t-il. Entre le souteneur brutal des 60s, Matt Smith, inquiétant, et le pilier de bar flippant des aujourd'hui, Terrence Stamp, terrifiant, les deux jeunes femmes ont de quoi se sentir tout le temps menacées. J'y avais en tête l'esthétique des films de cette période avec leurs couleurs chaleureuses, précise Edgar Wright. Je l'ai de tourni pour la rendre angoissante, pour que chaque incursion de Elrond dans ses années soit de plus en plus anxiogène. Ça fonctionne, on ne peut mieux tant on se laisse happer avec elle dans un monde hostile que la beauté des images rend encore plus mortifère. Mario Bava et Dario Argento, maître de l'horreur italienne, en découvrant un Londres au thème baroque. Plus belle scène du film, au cours de laquelle les demoiselles se croisent dans un escalier couvert de miroirs, témoigne de la virtuosité du cinéaste. Les concumes mises en scène comme un ballet sur des chansons des années 1960, insiste-t-il. Il y a très peu d'effets spéciaux numériques. Par des séquences ont été tournées en direct. Cela renforce l'immersion des spectateurs qui, sans en prendre vraiment conscience, ressent dans sa chair la détresse de jeunes femmes qu'ils découvrent moins fragiles qu'ils ne l'avaient.